bonjour ou bonsoir, dépendamment de l'heure où vous regardez l'émission. L'émission aujourd'hui, c'est la deuxième partie de deux émissions que nous faisons pour nous présenter observation nous sous fonctionnement média pour l'année 2021. J'aime te dire li nan finissement première partie a nous pas rentrer dans fonctionnement interne média yo mais nous plus rentrer dans programmation yo et nous garder type de contenu qui était diffusé sous média pour l'année 2021 et nous te garder tout comportement journaliste yo ou bien présentateur yo par rapport à auditoire. Dans la deuxième partie, ça, nous allons continuer à observer les médias, la grille de programmation yo, et le comportement journaliste. Nous ne pouvons non seulement faire ça, nous avons tout fait des propositions par rapport à l'observation que nous faisons en façon pour les médias capables de relever la situation pour l'année 2022. On regarde ensemble la deuxième partie de l'émission qui parlait de l'observation des médias. L'autre observation que me fait dans la question radio pour l'année 2021, c'est que radio en pile fois yo diffuser des contenus qui pas porter aucune valeur ajoutée pour auditeur. En pile fois m'attendé une radio ou bien une émission, question me poser tête moi qui ça m'apprendre de ça me s'attendre à. Est-ce que contenu ça t'est porter une valeur ajoutée pour moi? Qui ça me les contenus qui porter valeur ajoutée à? Bon prendre un exemple. Année 2021, question coronavirus, c'est un sujet qui te parlait en pile sur radio. L'aime fin tande une émission qui parlait de coronavirus. M'ta ka dit tête moins. Ou bien m'ta ka poser tête moins question, qui ça m'apprend en plus de maladie coronavirus. Donc type de contenu qui apprend moins plus bagaille de maladie coronavirus là, l'hypothèse de la valeur pour moi. Dans l'année 2021, on capable observer que question politique yo té présent en pile dans contenu radio. Lorsqu'on tande une émission analyse politique, qui ça va prendre de plus de réalité politique là? Moi pense que c'est pas en pile émission qui te de qualité qui te aidé moun comprendre gens politique la brasser dans pays a. Permettez-moi faire personnalité dans émission jodi a. Yon journaliste en coup Dali Valet manqué nous en pile nan aider nous comprendre grand événement international yo. Le obtant de Dali Valet par exemple, toute analyse la fait yo reposer sur une base théorique qui permet ou bien comprendre ça la analyse ya. Gen en pile fois obtant yon émission analyse politique à propos dit qui ça journaliste la tap analyser la même. En pile fois ces questions sont posées tête tout. En pile journaliste pas gain en ken culture yo pas formé tête yo en pile là dedans yo pas gain assez de culture pour yo faire des émissions qui portent de la valeur. Yon l'autre observation que m'te fait pour l'année 2021 dans la question média en Haïti, c'est que Jean journalistique yo presque pas respecté. Pour l'année 2021, tout m'te observé que journaliste yo mélangé en pile fois Jean journalistique yo. Des fois, yo annonce un reportage, mais le wap tande ou c'est un éditorial côté journaliste la ba opinion de yon fait ou bien de yon événement. Là on dit ou yo gagne une interview ou c'est yo analyse journaliste l'a fait et puis tout gagne phénomène passé en direct là qui fait en pile fois que Jean journalistique yo les reportages là c'est un gens qui presque mouri dans média. Le plus souvent conférence de presse yo passé en direct mais ça moi pense qui ka fait c'est que même les conférence de presse passé en direct ça pas ta doit empêcher journaliste là faire un reportage sous un angle bien déterminé par rapport à sujet qui était débat dans conférence de presse là et puis comme ça tout est capable traiter information selon
ligne éditoriale média côté la travail là. C'est vrai que nous avons observé en pile dérive qui était gagné dans radio yo pendant l'année 2021, mais dans l'émission aujourd'hui, nous pas seulement dénoncer dérive, nous pas seulement critiquer, mais qui ça qui est capable de faire pour essayer arranger ou bien corriger quelques dérives qui étaient faites dans les médias pendant l'année 2021. Qui ça qui a fait? C'est vrai que ça c'est observation PAM de Jamte Wè Media yo dans l'année 2021, surtout radio yo. Mais il y a quelques radios qui étaient très professionnelles et il faut que nous disions ça tout. Moi, je ne voulais pas rester seulement dans critiquer, mais ça qui a fait. Qui proposition PAM pour l'année 2021? Même là, il n'y a pas de chance pour t'en dire. Mais bon, au moins, tu as fait quelque chose. Premier bagage, je pense qu'il y a fait, c'est que il y a un ordre des médias qui existait. C'est vrai que il y a une association médias, mais je pense que yo pas situé yo dans logique pour améliorer type de contenu qu'a diffusé yo et bah quoi ces missions yo ça non plus yo plus des groupes d'intérêt économique autre des médias que m'a parlé a l'itaka même gens avec autre des avocats qui dirigé par Barou yo l'itaka tout même gens avec CNA en France qui c'est Conseil national audiovisuel ou quelque chose comme ça. Institution ça a un instrument pour redresser média yo surtout radio les yo fait dérive parce que radio yo fait en pile dérive au nom de la liberté de la presse. Deuxième bagaille moi pensé qui t'a fait tout c'est que t'a gagné observatoire des médias qui formé ak moun qui étudie communication ou bien moun qui était dans média qui pas dans média encore malgré qualité médiocre émission radio aujourd'hui a pourtant nan société a nan communauté a gagné une faculté l'état qui a formé moun nan question communication. M'a parlé de faculté sciences humaines. Faut qu'on dit nous tout, en plus le monde qui étudie communication pas forcément parler de question communication. Exemple c'est que moi dans un groupe WhatsApp qui composé de anciens étudiants faculté sciences humaines qui étaient étudiés communication, mais dans groupe ça, yo parlé de toute bagaille sauf communication. Ou t'as qu'à dire tu un groupe qui gagnait anciens étudiants communication. Il était capable peut-être gagner des discussions sur des sujets qui ont rapport avec communication, surtout communication politique. Il était capable analyser des discours que hommes politiques ont présenté dans l'espace médiatique. Yo. Mais non, j'aime dire qu'il parlait de toute bagaille sauf communication. Bon, bref, je pense qu'un observatoire qui a produit des rapports critiques tap vraiment intéressant pour aider radio. Yo. Redresser ou bien aider au produit des contenus qui valables parce que toute dérive journalistique c'est parce que ou pas gain aucun monde ou bien aucun groupe monde qui a voyager sur ça a fait bon c'est si ou te gain un observatoire qui a observé travail yo avant journaliste al fo émission li t'a réfléchi en pile de ça li pral dégager comme contenu. Troisième bagay moi pense ki ka fait c'est que média yo diversifié contenu yo ou bien diversifié programmation yo. M pa konnen c'est parce que moi t'ai fait un bon petit temps dans yon radio côté moi t'ai fait partie de section culturelle radio ça qui fait que moi gen penchant ça pour la culture. Bon, nous toujours dit que la culture c'est plus gros force que nous gagnons. Mais je pense que doit gagner plus espace pour moun
cap créé dans le domaine culturel dans le pays pour parler de sa affaire. Dernier bagage, je pense que Fok Media a vraiment diversifié le contenu. Comme ça, tu as payé les journalistes plus bien. Et puis, les journalistes ont passé plus de temps pour former tête. Et question de manque de formation, ça, ou bien manque de culture journalistique, ou bien le fait que les journalistes ont parlé en pile, ça a reflété dans la qualité de l'émission qu'ils ont produit. Pour diversifier les sources de revenus, radio ont organisé spectacle tout, yo te ka produit quelques artistes tout. Nous avons par exemple Novelis avec Magic 9 qui fait Livre en Folie ou bien qui fait artisanat en fait et l'autre activité culturelle encore. Ça c'est une autre source de revenus radio a vinn gagner à côté question publicité. L'autre radio yo ka fait ça tout. Yon lot bagay m'dabli di, m'pense que ministère la culture ta ka mette yon fond disponible pour permettre radio yo faire plus émissions sur la culture. Bon, ministère la culture a son lot calamité. M'kwè Focal gen yon fond qui finance reportage sur des sujets qui gen rapport avec droit de l'homme ou bien la culture, on baye comme ça. En conclusion, c'était observation PAM de radio pour l'année 2021. Mais je n'ai pas aller sans m'avouer un coup de chapeau pour quelques médias que je trouvé qui ont fait un pile effort avec mes moyens que j'ai gagné pour te produire des émissions de qualité. Je vais tirer le chapeau bien bas devant Alter Radio, une radio qui est très professionnelle, qui est sous 106.1, qui portait un autre contenu qui pencher plus sur des sujets sociaux. Ma félicite tout média en ligne Aibo Post qui publie des sujets que l'autre média n'a pas traité. C'est des sujets qui sont vraiment importants pour comprendre la société. Et c'est de contenu qui est utile. Je relève ça du journalisme utile. Moi, je pense que deux médias ont vraiment été dans le standard. Ou ka leve Aibo Post, ou ka leve Alter Radio, ou mette yo nan n'importe ki l'autre pays. Si m'te fè yon erreur, m'ap invite nou, corrige moi nan commentaire yo. Mwen bezwen apprendre de nou tout. Et mwen pense tout, nou même tout. Qui prend temps de regarder vidéo à noter que observation pas non de médias pour année 2021 m'a invité nous faire ça dans commentaire bien sûr pour médias en ligne m'a venu avec observation pas tout dans une autre émission. Merci en pile de ce que tu prends temps pour regarder vidéo ça qui était un petit genre longue. Si vous pouvez abonner à channel là m'pa quoi pour aller son va abonner pour suivre toute l'autre vidéo qui vient pour venir. Non pas me segumer dans Vilma. Mwen te kontan avèk nou, nawe yon lot fwa pou yon lot videyo.